Salut à tous. Théoriquement, il est jeudi matin, autour de 6h30. Et on va causer les engins testés au modélisme mâle d'argent 68. Tout d'abord, le Hobau Hyper VS1 Duke of Hazard. Eh ben, merveilleux. Rien à ajouter. On a monté dessus donc les cacapis de saboteur, on a 2200 carrés avec un pignon de 16, en 4S, on est bien. On fait petit quart d'heure avec une vie du 5000, pas super récente. Hein. Évidemment, si on met les 6500, on va faire la vingtaine de minutes, sans problème, avec des perfs sympas. Et il n'y a pas besoin de plus. Ça va nickel. L'engin a enfilé 4 packs, vous en verrez 3 parce qu'il y en a un, vous avez juste la fin. Faut aller appuyer sur le bouton enregistrer, Mani. Et là, je le fais avec vous, pour une raison très simple. Ce montage des roues VP Pro, parce que les prochains tests, on va les faire avec les VP Pro. On va rien toucher à l'engin. Et on va retourner rouler, point barre. On va viser un run en prairie. Je vais laisser les saboteurs avec, selon le cas. Et... pour la prairie, évidemment, comme là on a une garde au sol max et un véhicule très souple, ça ne sera pas l'idéal. Ça va baigner. Mais on pourra rapidement intervenir sur place pour abaisser un peu la chose. C'est avec plaisir que j'ai passé la radio à un ancien pilote de RC qui revient dans la RC. Ouais, toi là-bas avec ta grosse barbe. Reconnu, je pense, hein, Picombière. Et on avait avec nous Guillaume, qui avait un VS2 avec des réglages totalement différents, donc une suspension plus ferme, typé circuit, les huiles de diff, typé circuit aussi, une autre radio, donc des réactions comme dit différentes parce que cet engin là il est souple en bas et ensuite progressivement la puissance arrive vers le haut. La machine à Guillaume, dès que tu touches les gaz, ça part, un vrai petit missile. Pas exagéré du tout avec un pignon de 21 en 2200 carrés. Aussi avec un 42-74, je tiens à préciser, parce qu'évidemment avec un pignon pareil sur un 40-68 ou 42-68, avec les lignes droites qu'il y a au MBA 68, c'est... le moteur a surchauffé. Là il a encaissé mais ça chauffait quand même. Mais on s'est bien marré, on s'est changé les radios, on s'est rééchangé, c'était super sympa. Et ce machin, comme dit, 4 packs d'affilée, zéro problème. Je vais donc le laisser là dans sa housse, prêt à repartir instantanément. Le suivant, qui est prêt à repartir instantanément, ben, une fois de plus, c'est pas une surprise, Yikong DF7. Pareil, j'ai passé 3 packs faciles là-dessus. D'ailleurs, je suis con, j'avais emmené les cacapites. J'avais emmené ceux-là avec le méchant profil pour voir ce que ça donne niveau accroche ou modisme mal d'argent. Et je n'ai pas utilisé. Donc celui-là aussi, il reste dans la boîte. On a un abonné qui peut absolument changer de radio parce qu'elle fait jouer. Je comprends si tu as envie. Mais elle est précise, elle est rapide. Elle a tous les réglages qu'il faut. Et je vais maintenant, face caméra, te les expliquer en français, puisque c'est un ancien, cinquantaine, 50 plus que moi. Jamais trop tard pour se mettre à l'anglais, et il s'en sort pas avec la radio pour les réglages. La première touche ici en haut à droite, c'est le trim de la direction. Celui-là, c'est le trim des gaz, donc si la voiture va à gauche... tu trifouilles là pour revenir à droite, si elle va à droite, tu trifouilles là pour revenir à gauche, si elle avance, elle recule tout seul, c'est ici. Mais le neutre électronique sur les varios, en général, n'a plus besoin d'être retouché. Le bouton en bas à gauche, ici, c'est le dual rate de la direction. Donc si ça tourne trop, tu diminues, si ça tourne pas assez, tu augmentes. Là, c'est la même chose pour les gaz. Si tu veux réduire la vitesse pour le prêter à quelqu'un, ou que tu veux être plus à l'aise sur ta marge de gaz, parce que tu n'as pas besoin de la pleine puissance, ici tu peux brider tes gaz, et attention ça bride aussi la marche arrière, en dessous de 50% tu vas perdre ta marche arrière. Et ce bouton là, c'est je pense celui qui t'embête, celui-ci en bas, tout en bas à gauche, ce bouton là c'est
l'AVC, TSM, ESP, appelle ça comme tu veux, c'est le contrôle du gyroscope. Nous, on le met à zéro, on roule sans le gyro. Il y en a plein, pour éviter de baigner dans les virages, ils laissent un peu de gyro, voire beaucoup, parce qu'ils aiment ça et qu'ils roulent maquette, qu'ils n'ont pas envie de massacrer la caisse. Si tu veux la remplacer, cette radio, par, bien sûr, tu m'as parlé de la Apsima C6, je sais pas quoi. Bien sûr, oui, avantage pour toi, la notice est en français. Apsima rebadge des radios FlySky, donc tu peux acheter les origines FlySky et télécharger uniquement la notice Apsima, par exemple. Ça représente une économie quand même de 30, 40 ou 50 euros sur une radio, entre l'original et le rebadge. Et, donc à toi de voir. Mais évidemment, je comprends tout à fait. Et ouais, la C6, tu m'as dit, où il y a la 5, là, c'est la FlySky GT5, la GT6, maintenant ils font la GT7. Donc ces trois radios, bien sûr, sont toutes bonnes. Tu peux les prendre sans poser de questions. Tu auras tous les réglages nécessaires dessus. Tu seras peut-être obligé de faire donc, la version de la voie des gaz ou de la direction avant de calibrer la chose. Mais ça, ça sera à toi de voir. Et tu n'auras plus le gyro, mais si comme nous tu roules de toute façon sans le gyroscope, on s'en fout. Le Creighton 4S. Il a fini en morceaux, mais pas comme ce que vous croyez. Alors on l'a roulé avec les VP Pro Bulldog Truggy, génial. Mais celui qui nous a faussé compagnie, c'est le moulin. Alors ça, c'est un VXL 4S qu'on a reçu d'un tonton qui avait déjà bien servi. Et en fait, le roulement avant a lâché. Donc maintenant, il faut voir pourquoi. Parce que tout le reste est entier. Est-ce que quelque chose est passé dedans? Est-ce qu'il a surchauffé? Parce qu'évidemment, on a pas mal de perf, il faisait quand même assez chaud. Et en fin de course, vu que le machin il traçait, il trace comme le VS1 que j'ai fait là en 4S avec un 4274. Sauf qu'il est plus lourd et il a ce petit Pfurtz moteur à bord. Un Pfurtz, c'est un P, un petit Pfurtz, c'est un petit P. Hein. Donc évidemment, je pense que c'est lui qui a payé la facture des perf. Et le roulement, il a éclaté là-dedans. Ce qui est assez bizarre, puisqu'on a quand même un moteur qui est en cul-de-sac, donc le carter avant, il en a lu. Je vais aussi le laisser dans la housse, mais pas pour, pour reprendre la route. Il va passer d'abord au nettoyage. Et on le démontera en haut pour pas dégueulasser mon atelier ici. Ça, c'est sûr. Le Erevo 2. Ah, lui, il est grand temps de la réviser, je crois. On a arraché une rotule, on a décroché plusieurs fois le cardan arrière. Donc, il est temps de changer les cardans. On va mettre les télescopiques pour tester. On va faire le nécessaire pour plus que les rotules sortent des bras. Donc, on va utiliser de la bande de Teflon ou de la colle bicomposante. Ça marche bien. J'ai fait ça déjà sur les autres modèles, ça va très bien. Et je pense, comme dit, on va assouplir la suspecte, comme on a dit dans la vidéo du Summit, parce que ça me plaît vraiment. On va assouplir cette suspecte. Là, il n'était pas super à l'aise avec ses pneus, c'est beaucoup trop glissant pour le Val d'Argent. J'aurais dû emmener les problèmes bloqués de là-bas, ça c'est sûr. On va l'assouplir et j'ai envie, parce que j'ai pas d'autre engin ici où je l'utilise pour l'instant. Il me reste donc en rab un Obi-Wing Max 8 G2 de 1250. À capteur, avec le turbo, hein. Enfin, c'est le moteur avec le turbo. Et je pense installer ce combo là-dedans. Et on va sortir ce moteur 2050 kV pour le coller dans le Arma Creighton 4S. Ouais, il y avait le 2200 dedans avant, mais comme j'ai pas le bon pignon, je veux pas, et j'ai les bons moteurs, si je mets maintenant donc ce moteur là-dedans, avec le pignon 18 qu'on avait, et avec le VXL 4S, on aura des performances, je pense, vraiment intéressantes. Et le 2200, il est tellement bien dans ce VS1, ce 2200, que j'ai plus envie de le sortir, en fait. En plus, je suis content du ZTV qui est à bord. D'un autre côté, faut qu'on teste le ZTV 150 ampères bis G2 et s'il crame dans un Traxxas, ça fera moins mal que s'il crame ailleurs. C'est ce qui est chouette avec Traxxas.
Tu rentres dans un mur, c'est pas grave. Quelqu'un roule dessus, ça n'est pas grave. Il prend feu, fou rire. Bref, on verra ça. Ce serait intéressant de tester là-dedans pour voir un petit peu ce qu'il raconte. Hein. Ou on le mettra carrément à l'épreuve dans le sledge avec le moteur du sledge. Ouh, ça va être corsé pour lui peut-être ça. Hein. Alors, on va voir ce qu'il y a comme câblage dessus. Parce que le sledge c'est un poids lourd. Le moteur il envoie. De toute façon, je suis obligé de souder des autres cosses, tu me diras. De toute façon, j'attends la carte de prog déjà en plus. Dès que j'ai la carte de prog, on va pouvoir se pencher plus près sur la prog par défaut de ce ZTW. On fera la vidéo avec les réglages par défaut pour que vous les ayez tous parce que on ne sait pas ce qu'il y a dessus. On a constaté que le cutoff, le réglage là, c'était cool. Mais pour le reste, on ne sait pas encore. Donc à voir. Mais je pense que je vais me diriger vers quelque chose de comme ça. Coller ce moteur là-bas et mettre le combo G2 là-dedans après une bonne révision. C'est peut-être le moment aussi de se faire un délire avec des bras de couleur. un kit de bras verts. Non, c'est bon, on testera donc. Surtout les cardans, les autres, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils valent, ces cardans télescopiques chinois pour le Erevo 2. Ça réglera le problème de déboîtage, ça réglera le problème de débattement en maxi mini, etc. Le plus gros problème reste sur ce Erevo 2, le fait que si tu mets pas tes tirants sur le trou intérieur, ta suspension n'arrive pas à embuter. Quand tu fais des tonneaux, tu arraches les amorteaux. C'est dommage parce que c'est vrai que pour aller sur le circuit, si j'avais couché les amorteaux, il s'en serait sorti beaucoup mieux. Mais si j'avais couché les amorteaux, en faisant des tonneaux, c'est garanti que j'aurais arraché un capuchon d'amorteaux ou une rotule. C'est là que ça arrive. Maintenant, on ne sait pas pourquoi il arrête ce Revo 2. Sinon, on en a marre des retours clients négatifs. C'est parce qu'il n'a pas été mis en fonction longtemps. Si les ventes ont tellement chuté parce qu'est arrivé le sledge. S'ils vont nous bidouiller un Summit 2 avec donc blocage diff. Et que du coup, celui-là, il sera obsolète parce qu'on se prendra un Summit 2 et tu pourras rouler diff débloqué avec la solidité du truc et bloquer tes diffs pour crapahuter. On n'en sait rien. Bien sûr, j'ai posé la question et bien sûr, nous n'avons absolument pas de réponse. C'est normal, ils sont en tamponne royale des Français. Ils s'occupent du marché américain et asiatique. Parce que, ouais, les Chinois roulent de plus en plus en RC. On commence à trouver des Traxas et des Lozi et des machins sur les sites de vente chinois. Alors, c'est pas la peine de se dire, ouais, je vais les prendre là-bas, ils seront moins chers. Ils seront plus chers parce qu'ils vont... Puis, regarde le truc, ils sont fabriqués en Chine, ils sont expédiés aux US, et ensuite ils reviennent en Chine, et du coup ils sont plus chers. Et c'est formidable, c'est formidable. CrossRC Emo X était avec nous, en mode, en one again, à l'arrache. J'ai viré la carreau pour pas l'endommager plus et puis alléger un peu cette histoire, et parce que les Louis Rowdy auraient trop frotté les ailes, je voulais pas arracher les ailes. Ces pneus, on fait exactement ce qu'on attendait d'eux, c'est qu'ils sont très mous, ils sont très bons pour grimper, mais on a un problème sur les dévers. C'est que le pneu, il coule comme ça sur le côté. C'est là que c'est important d'avoir des mousses de compète, ou des mousses à deux étages chez Crazy Crawler. Est-ce que Crazy Crawler existe encore? On a envoyé à ce gars-là des mousses de X-Max, des jambes de X-Max, des pneus de X-Max, pour qu'ils nous fassent quelque chose. Et tout d'un coup, j'ai plus de nouvelles et on n'a plus jamais eu de retour depuis plus de 2 ans maintenant de cette histoire de mousse X-Max. C'est dommage. Voilà. Donc, équipé comme ça et réglé en full crawl, marche avant-arrière, frein automatique à 100%. Je l'avais rabaissé à fond, qui est quand même encore un petit peu de challenge, parce que quand il est rehaussé, même si beaucoup croient que ça se baigne plus vite la tronche, le centimètre de garde-sol au milieu est fatal sur les grosses cornières. C'est exactement là où je suis resté accroché 2-3 fois. Après, c'est pas un problème, les pneus ballonnaient un petit peu, on a pu passer. Si j'avais été rehaussé, je serais passé absolument partout dans l'ennui total. Faut dire ce qui est. C'est comme le Axial CX3 Unimog, souvenez-vous qu'on a testé là, sur la piste là-bas. T'as juste à rouler et tourner à gauche, à droite, le machin, il y va, il passe, il redescend, il remonte. Et c'est même plus rigolo.
Définitivement un engin que je préfère rouler, enfin de toute façon une discipline que je préfère faire en forêt, dans la terre, les grosses pentes, en trail en fait, plutôt que vraiment sur des circuits crawler attitrés. Scale crawler attitré, pas crawler pur évidemment. On va sortir le 3660 de la G2 parce qu'on va le monter à la base, ce combo je l'avais acheté aussi et surtout pour le mettre dans un Kakapit SCV2. Ouais, pour aller à Tangolsheim sur la piste moquette. Là, ce petit combo en 2S avec le mode turbo, à mon avis, il va être très bien. Bon, c'est un 2400 kV pour le 4S. Là-bas, on n'aura pas droit au 4, on aura droit au 2. Donc, Mani, ça ira pas. Il faudra mettre un 3800 kV ou 3200. T'as pas tort. T'as pas tort. Et dans le freestyle RC. Bien vu, Cyril. Absolument. Dans le freestyle RC, ce combo fera merveille. Avec une petite 4S1000, c'est ce qu'on a fait ici, on a roulé avec une 4S1000. Le but de ce combo dans le freestyle RC, c'est juste d'avoir assez de patates pour faire du backflip contre un petit obstacle. On ne veut pas faire rouler l'engin vite. Un petit 60, ce serait bien quand même. Et on va repasser le combo charbon là-dedans, on va s'occuper de la machine. Nettoyage, il n'y a pas grand-chose finalement. Un peu de poussière. Hein. Et juste faire le nécessaire pour renforcer. Je peux tous que vous inviter à renforcer un peu l'avant de la carreau. C'est écrit dessus qu'il ne faut pas le soulever par l'arceau, mais quand tu te retournes à n'importe, des fois tu fais cette erreur là. Et comme dit, tu déchires entre jonction, capot et calandre. Il n'y a pas beaucoup de matière, donc je t'invite à faire. Tu vois, je vais faire ça en lexant que je vais mettre sous la carreau du MOX avec des vis, tout simplement. Et. Tu vois, on va prendre ces fixations-là, on va revenir ici, on va prendre déjà peut-être les vis de fixation pour renforcer ceci. Mais même comme dit, hein, si tu l'achètes neuf, je te conseille de le faire. Si quelqu'un d'entre vous est intéressé, Guillaume vend son Cross RC MOX parce que définitivement, il est parti en vitesse sur la piste avec les buggy. Ça va bien amuser le crawler, mais il passe son temps sur le buggy. Donc on a Guillaume qui vend, qui roule donc au modisme balle d'argent aussi. Il a roulé avec moi à l'Obsan. Il roule au MVHS aussi. Et il vend un Cross RC MOX gris, full stock. Il a roulé quoi, 4-5 fois, dont 2 fois avec moi, vous l'avez vu en vidéo. Un prix très intéressant. Donc vous me contactez, je vous mets en relation. Il n'y a pas de souci. Lui, de toute façon, il sera dans les coms. Il vous dira ça. Et moi, qu'est-ce que je vais faire de celui-là? Je vous l'ai dit, le crawler, ouais, c'est rigolo. Ça m'amuse des fois comme ça, j'ai des phases. Mais au bout de 10 packs, la phase est passée. Donc je ne sais pas quoi faire de cette machine. Elle me plaît. J'ai quand même envie de la garder, j'ai pas envie de la vendre. Je rappelle qu'il y a le kit laiton complet, il y a 3 sets de roues avec, tout ce qu'il faut, mais bon, la carreau, elle a reçu un petit peu. Il y a 2-3 spots que je ne suis pas encore allé faire. Donc ce serait peut-être bien que je l'équipe pour aller faire ces spots-là. Ce week-end, 18 et 19 août, il y a Crawler à la Lutz avec toute l'équipe de la Lutz, Steph RC Custom, Promodissime 67, ils seront tous sur place. Moi, je vais y aller aussi. Tu vas me dire, ouais, t'as qu'à le préparer pour y aller. J'aurai très probablement pas le temps. Et vous savez ce que j'ai envie de faire vraiment. J'ai envie d'aller à la Lutz uniquement avec la grosse cam, le stabilisateur, la perche et. Passer mon temps à vous faire des vidéos de près de ces machines, puisqu'on va laisser des pilotes qui pilotent les crawlers, contrairement à moi qui les rock bounce, se faire plaisir avec leur crawler pendant que moi je vais filmer de près la machine, parce que du coup c'est vrai qu'avec la perche et tout je pourrais filmer à ras sous la machine, devant, derrière, au-dessus. Si tout va bien aussi, enfin on verra combien de gens sont d'accord pour nous présenter leur machine. Donc petite interview du pilote s'il a envie d'être face caméra, c'est cool. S'il veut pas, on se mettra derrière moi. Et on causera de ses machines, de ses préparations autres, s'ils ont envie et s'ils ont le temps. Hein, d'accord? Parce qu'ils ont peut-être pas le temps, ils ont peut-être envie de rouler. C'est comme Mani en fait. Quand tu vas quelque part avec une caisse, c'est mort. Et il n'a plus le temps de discuter, il roule. On va donc faire ça. Mais en tout cas, ah oui, je vais changer de cerveau. Le cerveau est HS. Ne vous en faites pas, hein, si vous avez un Cross RC MOX, votre cerveau ne va pas vous lâcher. Le cerveau a lâché parce que je roule avec les lestes. Je roule à 60 km/h, un peu plus, avec le mode turbo, j'étais un peu plus de 60. Il n'y a pas de sauve-cerveau pour rouler à cette vitesse-là, évidemment. En trail, c'est préférable d'avoir un sauve-cerveau. Là, c'est le cerveau qui a pété.
Je vais mettre un cerveau 35 kg full boîtier alu, parce que ce qui a commencé à lâcher, c'est le roulement devant sur le palier. Et là, ça a sorti les dents. Rien de grave. Je rappelle que ces machines chinoises Cross RC, Yikong DF7, tout ça, ont des cerveaux qui sont prévus en 7,4 volts. D'accord ? Ils sont pas trop lents, ils sont pas mauvais, les cerveaux, ils tournent en 7,4 et ils sont bien meilleurs que tout ce que nous font les ricains. C'est temps que les ricains se tortent le doigt du tulle là où ils l'ont profondément stické pour l'instant. À juste compter les dollars de BNF. Et le petit dernier qui... lui, il ne peut pas rester dans sa housse, mais c'est ma faute, les vidéos arrivent. On a fait deux backflips atterris dans les stands. Enfin, dans les stands, sur le poste de pilotage, sur les marches. Ça a tapé fort. Est-ce que ça m'a coûté? Eh ben, c'est une pauvre biellette. Je vais enlever la carreau. Comme ça, je te l'approche, ça va mieux. Moi, je vais réparer ça là, maintenant, tout de suite. Je vais changer juste et uniquement cette chape de suspension, point barre. C'est tout ce qu'il a. Il a rien d'autre. Rien n'a bougé. Il enchaîne les packs. J'adore ces pneus sur cette caisse. Je vais donc, moi, me mettre une autre chape là-dessus. Je vais me réchapper. Et on va le laisser dans sa boîte aussi. Et quand on aura passé toutes les 4S, pour ceux qui ont suivi la vidéo de l'autre jour, puisqu'il me reste 4 jeux de 4S, c'est-à-dire 8 4S, 6 6005 et 2 9200. Les barques, on les a descendues à 4 volts. Celles qui étaient dans la vidéo qui arrive, celle-là, je pense que vous ne l'avez pas encore. Hein. Enfin, on va peut-être la mettre dimanche parce que c'est surtout la fin que j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai rigolé! Et vous verrez aussi sur la vidéo, je vais peut-être me prendre le temps si je peux, s'il est dans le champ, c'est de vous montrer les réactions de Rick. Je rappelle que Rick Fu était avec moi et quand son X-Max va plus loin que la boîte, s'est atterri sur le goudron, et bien il s'effraie. Mais il s'effraie tellement, il lâche sa radio, le gars! C'est assez impressionnant. Et je vous dis pas ce qui se passe quand les pneus pètent. Mais il a raison, ça s'appelle l'instinct de survie. Allez, moi je vais me visser une petite chape, je vais préparer la caisse. Il me reste deux 6S aussi d'ailleurs, que j'ai roulé 2 minutes dans le XRT avant d'exposer la transmis, qu'on peut largement bien sûr mettre aussi là-dedans. Je suis très content avec le 1700 kV et là, le combo à capteur complet là, comme il est là. C'est très doux à rouler. Bien sûr, on pourra avoir bien plus de perf si on met un moteur 2000-2200 kV. Mais je suis bien comme ça. Et on a une autonomie sympa. Et on peut enchaîner les packs sans surchauffer. C'est vraiment cool. Pourquoi c'est mon chouchou des trucs RTR-RTR? Puisque son seul concurrent, en fait, c'est le Serpent. Mais le problème du Serpent, c'est qu'il est resté sur la gamme 811. S'ils avaient passé la gamme SRX8 en RTR, là... faudrait voir. Mais le 811 est plus cher. Il a les roulements épaulés qu'il faut remplacer régulièrement. Tous les deux n'ont pas d'accès rapide au diff. D'accord. Là, ça va un peu plus vite quand même. Le Serpent, l'espèce de cale plastique et machin entre la tourelle qui font chier. Et ce que j'aime le moins sur Serpent, c'est les axes avec les circlips. Sinon, on est très bien aussi avec ce Serpent. Mais celui-là, du coup, c'est mon chouchou. Niveau solidité, rien à voir bien sûr, vous avez vu les triangles, les porte-fusées, les fusées, ce qu'elles prennent dans la tronche par rapport à un SST ou autre. Bien sûr, tu as, si tu chopes encore un Talion V4 RTR de base, pas le XB, en boutique, au même tarif que ça, ça va coûter à peu près 550 € en 6S, le RTR, la version S. Pas oublier de prendre les 3 morceaux alu. D'accord ? Compte un budget de 600-620 €. Pour être tranquille comme ça. Et t'as les bons pneus tout de suite dessus. Le Serpent a des pneus plus complètes. T'as pas de pare-choc sur le Serpent, lui il a le pare-choc. Le CST n'a pas non plus le pare-choc, n'a pas non plus les bons pneus, les jantes qui cassent. Faut mettre les élargisseurs pour mettre des jantes standard, tu vois, ça plus chaud. Faut aussi renforcer au milieu et nanani. Ce coup-ci, j'ai encore ajouté donc mon renfort arrière.
Ce que ça provoque, c'est plus de rigidité à l'arrière, donc on a un peu plus de flex sur l'avant, mais le cardan étant très long ici à l'avant, on n'a pas de problème. On a vraiment... Tu vois, tu peux bouger le moteur par rapport à la boîte radio. C'est délirant, mais on a assez de marge. Après, de toute façon, tu as le réducteur avant qui est à 2 cm. Hein. Donc après, ça règle l'histoire. Mais on a ce petit flex là. D'abord, je me suis dit, je vais encore mettre une barre là, mais bon, c'est un peu con quoi. J'ai pas envie de mettre une barre entière. Ce que j'ai envie de faire quand RC Bagi sera actif, c'est de lui demander de faire une barre en carbone fixée là sur les 3 vis ici qui part en L. Qui revient sur les 4 du SDIF qui part en L inversé pour arriver ici sans gêner la batterie, le cerveau ni rien, et d'avoir une barre en carbone comme sur la VTE2, sur l'extrême VTE2, une barre en carbone de devant jusque derrière. Les avantages sont le budget, parce qu'il y aura juste à acheter une barre qui se vissera sur les vis présentes et tu n'auras pas besoin de racheter les pièces à lui en plus. Mais sur le truggy, vraiment autant sur le buggy si tu roules cool, t'as pas besoin, mais sur le truggy, les pièces plastiques, ça va pas le faire. Ça tiendra pas. Important aussi, les ressorts de suspension. Hey, le budget grimpe vite, tu vois. Tu vois, j'ai acheté par Ledger 620, tu comptes 4 ressorts, 650. En gros, ouais, 650, quoi. Restons réalistes, arrondissons les choses au-dessus, il faut compter un budget de 650 pour être tranquille comme ça. Alors, c'est pas encore un engin pour faire du gros bash, hein. Moi je l'utilise en freeride, donc je suis sur circuit, je suis sur le périscolaire, j'envoie quelques sauts, mais j'exagère pas, parce que évidemment, après c'est les tourelles, le châssis sont quand même que en 60-61, et c'est en alu embouti, c'est pas d'usiné. J'espère que les tourelles vont bientôt arriver, après ça c'est pareil, c'est RCBJ est actif, on pourra lui demander le châssis, la plaque au-dessus, les tourelles. Oh, toi, tu vas rester là un petit moment, mon gars, je te le dis. Ce que j'adore sur cette caisse, avant tout, c'est l'angle de braquage. Serpent aussi, un bon angle de braquage. Celui-là, il est encore pire. Et c'est ce qui manque aussi au SST. Le talion. Alors aussi un angle de braquage, c'est pas une catastrophe. Le problème chez Arma, c'est qu'ils ont... Leur liaison au sol n'est pas bonne. Les engins n'amènent pas la puissance au sol. Et on a, je sais pas, leurs angles de chasse extrêmes toujours qu'ils font là avec leur train à rotule. Je sais pas ce qu'ils font avec leur train à rotule ou le trop de jeu. Mais il y a un truc qui fait que dès que tu touches un peu les gars sur les Arma, ils ont tendance à filer tout droit. Alors bien sûr, ça se roule bien quand même, hein, mais je veux dire par rapport maintenant à ça. Après ça, c'est pas étonnant, c'est un engin de compétition. Enfin, à la base, c'est un châssis de compète. D'où aussi certaines choses du genre qui s'expliquent. Si vous avez en tête d'autres truggy, donc on avait dit le FSR. Le problème, c'est que le FSR ne se trouve pas sous FSR ou cher. Et ne se trouve que chez MHD Gunner, 650 €, donc aussi cher que celui-là quand tu as pris les options et les ressorts. Sauf que, alors les pneus, FSR nous a, ces derniers temps, fait que des bons pneus, donc je suis confiant sur les pneus. Mais vous avez vu sur le Really Bash, par exemple, passez voir la chaîne de Jessica J, l'engin qu'elle a nommé Poulpi parce que ses bras sont tout mous. Ce truc-là, je vous l'ai montré dans la vidéo, si tu mets gaz et tu freines en braquant et tu remets gaz, t'as beau être braqué, la machine elle va tout droit parce que les bras sont couchés, et le truggy a exactement la même chose. Évidemment, dans le sable, ça va tourner bien, parce qu'on les a vus sur les vidéos d'une certaine chaîne qui vantait les mérites de la machine, mais clairement, honnêtement, c'est pas... Non, c'est ce... En buggy, le FSR ou en GT, ça va. En truggy, Monster, niet. Si tu roules cool et si tu le prends au prix FSR. Mais mettre 650 balles dans un MHD Gunner machin, non. Alors là, c'est clair, tu prends ça, même sans les renforts, sans rien, il fera mieux. De toute façon, c'est clair. Je pense tout le temps que tu papotes, tu aurais pu monter ta billette, hein, mon gars, parce que toi, tu blablabla, mais travail zéro pointé, mon kiki. Alors, mon tiroir de chape. Et puis le reste, c'est privé. Na. Bah ouais, si je veux me toucher la chape, je me touche la chape. Qu'est-ce que tu regardes ?